et conseil présidentiel ça yo capable nan gros difficulté parce que les qui ont gardé ensemble depuis que pouvoir démissionnaire là mentionné et comme exigence nan arrêté qui créer conseil présidentiel nan. Mais qui ont ensemble d'acteurs qui trouvaient que Ariel Henry et comme premier ministre démissionnaire a fait dilatoire la fête a passé pour continuer à liquider les affaires courantes de l'État. Mais en même temps, tout, Ariel Henry, c'est l'affaire selon un peu le monde. Ligue communauté internationale en DL toujours. Ça veut dire, pas comprendre que Ariel Henry, pendant que l'État accepté pour l'annoncer démission, mais pas CARICOM qui demandait de faire ça, pas penser selon un pilateur, il dit que, mais CARICOM, mais les États-Unis, le Canada, la France, ils ont toujours des Ariel Henry. Parce que sinon, tout pile bandit là, 300 que Ariel Henry a fait là, il va faire, il t'a en éclairement dit que, les publiés arrêtés qui créent conseil là, et arrêtés qui nomment non mounio. Mais là, où est que, Ariel a fait un passé, la fête il a 3, la font pile bandit, bah, allez, venez, venez. Et il y a quelqu'un qui dit, que dans la même question ça Ariel Henry besoin mettre pays dans situation que pour montrer avec étranger hein, c'est pas lui même qui problème non c'est acteur problème non et jusqu'à ce que Kevin tombe d'accord avec lui que il dit bon, OK est-ce qu'il continue Kimbel pour notre pays à démissionnaire pour liquider les affaires courantes c'est ensemble de question qu'a posé. C'est ensemble de acteurs qui a bail de conférence, qui a réagi sur ça. Des événements comme on est guié, avant qu'on vienne avec invité nous, qui sont invités de Mac et qui prennent parler cause ensemble avec nous. Blaise Peterson, c'est tout plaisir chaque fois nous partager panel ça pour venir parler pays, spécialement pour venir apprendre mon lieu ça qu'a passé dans des pays, hein, des situations difficiles que pays a connaît, des complots ensemble conseillés, ensemble apatrides, a fait sous tête petit pays d'Haïti que les ancêtres te goumen te permettent que ton pays libre et indépendant. Malheureusement, dans toute dernière année, vous avez remarqué ces Haïtiens qui complotaient, qui concoctaient avec la communauté internationale là, particulièrement l'Occident, pour plonger pays dans une situation qui est plus difficile. Pendant la parler des décrets qui sont si qui liés avec création conseil présidentiel 7 membres avec des observateurs que CARICOM département d'État essaie de regarder et haïtien on dit c'est une proposition à l'haïtienne parce que il était Chita et dans des espaces en Haïti et même aller au Jamaïque pour discuter autour de lui mais communauté internationale là il y a besoin mi figue mi raisin dans le cadre question conseil ici la blesse personne situation toujours été très difficile dans le pays d'Haïti nèg exam en dans pays a pas suspendre multiplier ensemble des postes de péage que yo gagne dans niveau capital pays. Bon Dieu mettait 3 postes péage dans mitan Port-au-Prince, youn nan Riel Alet tout près cimetière et youn nan Matissan ak yon lot nan Fontamara. Non l'autre bord Blaise Peterson. Bon Dieu mettait 3 postes de péage dans zone Cité Soleil. Youn nan sorti terminal Vareux, youn nan La Saline ak yon lot nan Douillard. Sur route nationale numéro 1, il y a 2 postes de péage que les bandits ont mis pour prendre un cob dans les mounes qui ont traversé. Il y a un titan et l'autre qui trouvait entre Saint-Mac et Gonaïve. C'est une situation qui paraît extrêmement difficile. Route nationale numéro 2, il y a 2 postes de péage. Il y a un dans Poloma, tout près, cimetière Kafou, et puis il y a l'autre dans Mariani. Sur route nationale numéro 3, il y a un dans Onaville, Onaville 12, et il y a un qui trouvait entre Gromon à Capot de Paix, route nationale numéro 5. Et puis Bandio, il y a poste à payer sur route nationale numéro 8 là, dans la zone Calvaire, Croix des Bouquets. C'est des situations qui paraissent extrêmement difficiles. Pas d'acteurs continuent à traîner les pieds sous situation qui gagne en dedans pays. Mouna mouri, l'hôpital fermé, problème grand goût. Malheureusement, Ariel Henry et consort. Tant que je vous dis tout à l'heure, les situations, Ariel Henry n'a pas de pouvoir pour tout ça l'affaire là. C'est parce que la trinité criminelle, il a campé de Ariel Henry pour faire ça l'affaire. Qui pour mener le pays dans un état qui est plus lamentable, qui est plus difficile, sans que nous puissions regarder avec invité que nous gagnons, pour nous connaître 11 pièces que Ariel Henry exige avec candidat ou bien avec membre dans le conseil présidentiel là. Est-ce que c'est légal? Parce que yo fait mention de constitution. Et cependant, ensemble avec d'accord, que ça a fait, c'est pour un bagaille qui n'a pour avec question constitution. C'est de constitution, c'est pas là où tu as parlé de la situation. Et invité nous dans l'émission jeudi, hein, c'est député Ulrich Saint-Cyr et c'est président Kadib et coordonnateur Jean Gabriel-Léon, il y a un responsable Mopal qui c'est un escrici qui prend de engagement public en un pays. Hein. Mais pas oublier, hein, c'est député Ulrich Saint-Cyr, il passe de présentation et c'est un acteur qui est très pesé dans sa gueule là et qui prend de position publique. Député Ulrich Saint-Cyr, comment on est qui? Et bonsoir Blaise, bonsoir Vénès Désir. N'a profité saluer
tout dirigeant, tout cadre, tout sympathisant Mopal dans 10 départements pays et dans la diaspora. Son plaisir pour nous, pour nous participer dans gros coquin émission ça après-midi, pour nous brasser l'idée sur la situation globale pays d'Haïti à traverser je ne veux dire. Député, merci pour l'invitation. Nous croyons que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Exactement, député Saint-Cyr. N'a pas entré dans l'actualité, puisque c'est l'équipe actualité, ou même comme acteur politique, comme ancien député qui est dirigé des partis politiques. Ça, l'équipe actualité, c'est question qui est pour avec arrêté qui sorti vendredi 12 et avril, qui est pour avec création, conseil présidentiel. Et qui première réaction sous arrêté ça, là où elle sorti, député et Ulrich Saint-Cyr? Bon, et notre première réaction par rapport à publication et décret ça qui créait et CPA, et notre première réaction c'était un ouf de soulagement. Nous t'es pensé enfin pays à pral et commencer prendre route pour sortir de la crise là. Cependant, l'enal gade contenu décret ça, nous rendons compte que son décret qui est totalement différent par rapport à décret membre CPA te voyé by gouvernement démissionnaire là. Cela veut dire que le décret qui a été publié, c'est un décret que Conseil des ministres l'y fait et que le publié dans le journal officiel Le Moniteur. Je pense que c'est une aberration, hein. Et c'est manquer nation en dégâts lorsque des acteurs politiques dans plus haut niveau pays a ridiculisé et ça y a doué fait pour retirer peuple ça dans situation désastreuse que la vive là, je ne veux dire, pas oublier. Et pays a bloqué systématiquement, pas gagné rien qui fonctionnait. Haïti, li coupé du reste du monde, pas gagné avion volé. Moun pas qu'à déplacer à aucun département dans pays a, parce que gagné table base, tout côté, tout partout. L'administration publique ne fonctionne pas. L'école, l'université, pas fonctionner, business pas fonctionner dans le pays. Donc c'est coup de balle, tout jour et toute nuit, dans quatre coins du pays, chaque monde a dormi, on j'ai ouvert, on j'ai fermé. Pendant ce temps, au gouvernement démissionnaire qui prend plaisir à faire dilatoire dans le pays, c'est triste quand même de constater à ce niveau pour que des hommes et des femmes politiques aient à passer le pays dans sa malaza ça. Et nous pensons que décret ça, et c'est comme si un instrument qui a pris le bail tête en bas. Donc, et c'est ça que fait, je dis à la, m'a regardé, monsieur, dame, qui était choisi, institution, structure politique qui était choisi membre pour faire partie de CPA. Nous, ouais, yo publié une note côté que yo en total désaccord avec et le décret électoral qui a été publié par le gouvernement démissionnaire. Donc là, il faut déjà penser à une autre crise dans la crise. OK? Donc, c'est un pays, monsieur, yo fait tout ça yo capable pour yo pérenniser la crise là. Yo fait tout ça yo capable. C'est comme si la crise que connaît le pays actuellement divine un mode de gouvernance parce que il y a des gens qui sont nostalgiques du pouvoir, qui pas accepté une seconde abandonnée. Pendant ce temps, peuple là, pas qu'à manger, peuple là, pas qu'à boire, l'a déplacé, l'a dormi sous place publique et même sous place publique, bandit a poursuivi. Donc, il n'y a pas contre qui ça pour faire, mes amis. Et ou donc, son pays qui est
côté que bon insécurité alimentaire qui atteint plus que 4 millions de monde. Donc, et là, rien pas fonctionné dans le pays, et il y a une quantité de monde qui déplacé, qui quitte Kayo, yo pas contre côté, yo pas aller. Donc, voilà dans ce qui s'annouille. Et puis, d'un autre côté, on joint des hommes et des femmes qui ont fait des exigences, par exemple, demander de nouveaux postes, de nouvelles postes politiques. Poste ambassadeur dans d'autres pays qui fait des exigences pour que rejoigne corps avant de quitter. Pendant ce temps, peuple a lui-même il levé matin, il pas qu'à manger, il pas qu'à boire un tasse café. Longtemps, il était qu'à monter qu'à dans la rue et puis ou gon 50 goud ou gon 100 goud ou capon à lequel ou pas qu'à faire ça journée, ou pas qu'à faire ça kounya. Donc et mais tout nous penser Roberto, nous pensons et Venez que M. CP, tout, il n'y a pas sauté dans l'élection. Il n'y a pas qu'à comprendre tout pour que il coincé des machins dans le temps seulement. Il faut que vous fassiez appel à d'autres forces politiques qui sont dans le pays pour impliquer dans la dynamique. Et c'est ça que tu as pris le bas des marches à plus de force pour faire face carré à de vagabonds qui n'ont pays à qui pas jamais accepté pour payer à fond pas. Donc, la démarche doit être ouverte, le consensus doit être ouvert à d'autres structures qui, très certainement, ont certaines représentativités au niveau national et même dans la diaspora pour que ils aient porté du sang neuf par rapport à une dynamique qui, chaque jour, apprend coup. Parce que de monde qui t'a doué et je ne j'ai dit n'en caché, parce que y a tellement fait pays à tort, de monde qui n'a pas aucune autorité parce que c'est un gouvernement démissionnaire, c'est eux-mêmes qui a mené la danse dans le pays. C'est pas possible, c'est comme si dans ce pays, les choses et c'est des bagages, les choses vont à l'envers. Député sincère. Député sincère. Pas désir. Qui l'a considéré un monde démissionnaire, malgré nous connaît que Ariel Henry après discours pas soumettre pièce lettre qui te lié avec démission. Bon, lorsqu'on a pris des engagements tant au niveau national qu'au niveau international, donc, il faut respecter ça que vous avez pris comme engagement. Ariel a fait son discours pour dire que l'y entre dans une dynamique pour que une nouvelle équipe qui vient prendre tête pays. Automatiquement, vous acceptez d'entrer dans la dynamique. Ça, vous êtes un gouvernement démissionnaire qui est en train de liquider les affaires courantes. Mais elle était bien détaillée, ça, donc, dit depuis de ce gouvernement. Installation. Ce gouvernement, le fait même qu'il est rentré dans un processus de mise en place d'une nouvelle administration, ne peut en quelque sorte engager le pays, n'a pas assez d'autorité pour engager le pays et tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, c'est un gouvernement qui est là pour liquider les affaires courantes. Voilà la vérité. Aujourd'hui. Très bien. Nous trouvons l'autre espace après des créatifs une sortie où tu es qualifié comme soulagement. Mais après, nous avons regardé ensemble des nota bene qui gagnent en dedans des créas, soit à faire nomination, reconnaissance, création conseil, sans ensemble nos monde qui fait partie du conseil. Qui j'en comprenne, comment est ça? Est-ce que c'est dilatoire ou bien c'est juste coquin, mesdames, que le gouvernement a fait? Et en plus, l'autre acte tout, dit que Ariel Henry pour contrer, il n'a pas rentré dans la dynamique, fait juste coquin avec mesdames dans la dimension qu'il a fait là. Il est différent pour vous? Je me pose aussi cette question. Est-ce que ce gouvernement a la capacité de maintenir cette situation
et pour qu'elle continue à faire dilatoire. Je me pose aussi cette question. Et est-ce que, quelque part, il n'y a pas d'autre force qui est en train d'agir pour empêcher que le pays joigne une solution à la crise multidimensionnelle qu'elle a traversée et actuellement. Donc, et nous remarquons, et gouvernement, chaque fois, l'arrivée dans l'étape, il demandait de nouveaux bagailles. C'est comme si c'est des gens qui ont fait des coups d'essai, mais qui n'avaient aucune volonté politique quant à la résolution de la crise. Donc, ça nous vient là. Son bagaille qui t'a dû résoudre dans 48 à 72 heures de temps. Mais entre-temps, nous, elle apprend des jours et nous, elle apprend des semaines et qui dirait, donc, nous pensons que nous sommes partis là pour nous, de nouveaux épisodes de dilatoire que le gouvernement ça a fait. Qui compte ça, mais les pays, nous ne pouvons pas connaître. Mais Mabdou, entre-temps, le pays a livré aux gangs armés. Et le pays a livré aux gangs armés. Et c'est eux-mêmes qui a fait la loi. Tout à l'heure, dans l'introduction, là, on parlait de plusieurs côtés de postes de péage. Et citoyens, je ne vous dis, pour sortir d'un endroit ou l'autre, ils sont obligés d'accepter le principe ça. Ce n'est pas ça que je suis à la crise. Donc, et toute personne consciente de cette situation t'a doué by tête comme devoir pour travailler assidûment pour que vous sortiez pays dans sa lié là. Mais le constat, c'est que ce gouvernement est confortable dans cette situation et pays à mettre crasé pour eux-mêmes, pays à mettre crasé. Donc il suffit que on en poste et pendant ma parole ensemble avant là pas gain personne citoyen qui compte qui ça cap passer dans l'administration publique là n'après personne monde qui compte qui cob cap déplacer n'après personne monde qui compte qui transaction que monsieur dame ça va faire sous nos pays là. Donc, et après le départ de ce gouvernement qui est imminent, donc, je pense que le pays a trouvé une situation lamentable. Et c'est ça que fait, je pense, et que ça est nécessaire pour que, quel que soit le gouvernement qui vient remplacer M. Damsayo, pour non seulement faire audit dans l'administration publique en général, mais organisme autonome qui se vache à l'air. Que M. Damio servi pour que yo fait fortune yo, pour que yo fait gagot yo. Donc, yo doit faire audit là-dedans yo. Parce que il faut dans ce pays apprendre à donner des exemples pour que personne monde là yo vienne dans l'administration de l'État yo pour yo pas prendre pour choix grand-papa yo fait ça yo vle. Moi-même, moi vle que et chaque haïtien, haïtienne, jodian, doit comprendre nécessité pour que vous collaborez pour que ça finisse. Et, monsieur, dame, CPO, faut vous comprendre, vous n'avez pas de soutenir l'élection. Il faut vous faciliter et la meilleure participation parce que il y a de grands chantiers qui pourraient aborder dans la transition. Si finalement, c'est monsieur, dame, et conseil présidentiel qui prend pouvoir. Par exemple, la réforme institutionnelle, la réforme constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle et le Conseil de sécurité. Il y a une bagaille que en pile monde dans pays a prôné depuis longtemps, la conférence nationale. Donc et la question des élections. Donc il faut que gain assez d'acteurs qui impliquent dans la dynamique ça pour que yo crédibilisent les démarches là. M'a rappelé pour l'histoire et pour la vérité. Monsieur Dame CPO, yo gen obligation
si c'est des massacres qui réussissent pour que yo bay tête yo une dimension d'homme d'état, pour que yo pas à rentrer dans une dynamique de séparer poste bay ceci bay cela, et automatiquement yo rentrer dans ça, bon garanti ça va exploser et ça ne va pas porter de résultat. Il faut que yo situé yo comme des serviteurs de l'État qui dans un carrefour historique trouvaient que et c'est eux-mêmes qui prend responsabilité pour résoudre crise qui gagne dans pays. Débuté. Et ça fait yo, si yo comprennent dynamique ça, ça fait yo sortir comme de grand homme et l'histoire t'a capable reconnaissant envers yo. Cependant, si on mal aborde li, chaque nèg pral chercher petit job pour partisan pa yo, chaque nèg pral mande poste ministériel pou yo, mon cher, ces gens-là et yo pral aller dans les poubelles de l'histoire. Débuté. Nous bay ou mise en garde pour que quelle que soit transition qui pral fait là, pour yo mettre du sérieux parce que on petit groupe moun prend toute bagaille pour contre. Ça fait l'autre moun yo. Débuté ceci. Oui. Ah, moi je vais t'attendre moi là oui. parce que moi plusieurs fois moi je vais t'attendre. Débuté, on nous garder ça puisque la plusieurs fois là on parlait là, on montrait que et question c'est payant, il manquait consensus n'a manqué selon soit dit parce que gagner l'autre acteur qui ont pas consulté, ont pas chita, au moins peut être capable garder au consensus plus ou moins large et largement large, c'est si dit comme ça. Ça veut dire à moins que prise répéter ça là. Et est-ce que de tout ça parler là au député Cécile et dimension homme d'état parler là yo. Est-ce que le fait que c'est pas déjà monté, il manquait ça relé au consensus largement large, est-ce qu'on peut attendre que ça dit là yo ou pas jeune comme résultat dans même MCP ça là et débuté. Laisse-moi te dire quelque chose mes chers amis. Et processus qui mène dans formation CPA sous songer sous rappeler c'est après l'invitation qui a été faite à certaines structures politiques pour yon t'aller à la Jamaïque, et de là, yon commencé, mette tête ensemble, rivé en Haïti, yon te créé un structure entre yon même pour que yon avance dans quatre négociations yon avec CARICOM. Mou pas te vite? Depuis lors... Mou pas te vite dans Jamaïque, laisse ça, député, prenez mon petit mot sur ça. Mou pas te vite dans Jamaïque, là? Non, mou pas à ce moment-là. Mon parle à ce moment-là n'existait pas. Ce qui est, ça qui t'est passé, elle t'est passé en juin, alors que mon parle, il prend naissance le 22 août et 2022, le 22 août à 2023 et à Gangouave. Ok, mais on met là aussi. Donc cela veut dire que c'est même Mounsa ou Jamaïque là qui arrivait dans le niveau ça là et puis on mettait CPA à camper. Mais nous pensons que nous besoin d'un bagage qui est beaucoup plus large. Nous besoin d'un bagage qui est beaucoup plus large dans le sens que il y a d'autres structures politiques et il y a d'autres structures politiques qui en d'un pays et qui représentatives de la société. Donc pour étant donné que nous ensemble de gros chantiers pour l'aborder, faut yo intégrer le plus de monde possible pour babagala une certaine légitimité. Pas oublier, moi, m'a répété ça, monsieur Damien Patal, dans l'élection. Il faut que c'est pas même yo maintenant qui occupe tout chantier yo. Donc, si on fait ça, et y a ka difficile pour sortir en situation ça. Et d'autant plus, ce sont ces personnes-là qui pourra choisir même conseil électoral pour organiser les élections. Objectif premier en structure politique, c'est aller aux élections pour prendre pouvoir. Exact. Lorsque on s'est jugé parti à la fois, donc on a tendance pour que la société a mal comprendre ça. Et c'est ça que fait, moi je dis tout à l'heure, il faut que ces hommes-là
mettez une dimension d'homme d'État pour que ce n'est pas structure politique qui veut y le défendre dans CPA, mais c'est de citoyens, de patriotes qui pourraient rendre pays à un service, qui pourraient mettre au service de pays. Et c'est ça seulement qui permet de réussir dans la dynamique qu'il n'y a pas avancé là. Donc ça, c'est un conseil dont citoyen et dont responsable politique de président Mouvement Patriotique pour la vie Mopal, qui a réfléchi en permanence sur comment pour nous sortir dans la crise. Donc, dans ce sens, ça, nous croyons que la participation de tous les acteurs, ça va donner beaucoup plus de légitimité à la démarche de la résolution de la crise haïtienne. Voilà, c'est là nous y est. Et Blaise, c'est là nous y est, Vénès. Mais quand il y a la députée, et l'organe, puisque tu as dit comme ça, et dit là, ou qualifié, bon, mais dit tu as qualifié de dilatoire, que ça a pouvoir faire là, et ou dit, par contre, a kiffé, a fait ça. Mais est-ce que selon même vraiment député, ou est dilatoire ça, pas gonfin, ou dis-moi, est-ce que ça que pouvoir faire là, est-ce que selon même de me cacher de elle, et si tu as de me cacher de elle, est-ce que c'est qui me que tu as capable? Bon, c'est sûr, nous dit ça déjà, nous avons un peu de doute que pour voir ça, il y a une capacité pour que la mène bagaille là, j'en la mène là. Et cependant, moi-même, en tant que président Mouvement Patriotique pour la vie Mopal, m'a baillé un conseil. Allez. Et conseil que m'a baillé, c'est que ça a fait là, pas bon pour yo. Ça y a fait là. Pas bon pour yo, mais pas bon pour pays. Pas bon pour pays. Ah bon, ok. Ça y a fait là. Pas bon pour yo. Ça y a fait là. Pas bon pour pays. Au moins une fois. Moi, conseille yo pour opposer une action que population va ouais une action ça, son action que yo te gon minimum de volonté pour yo te résoudre crise. Et ce conseil salutaire ça que m'bayo à cette période difficile de la vie nationale, côté que mon a mouri, tribord babo dans pays a, mon pas ka manger dans pays a, si mon pas l'école, prison ouvri porte li bay tout prisonnier sorti et puis toute l'école fermée dans air métropolitain. Donc mes amis, c'est pas sérieux, nous pas ka faire pays a ça non. Donc il faut que le dossier de la résolution de la crise haïtienne, c'est quelque chose qui doit être réglé avec célérité. Parce que il est question de vie, moun. Il est question de moun qui pas qu'à vivre. Et chaque minute qui passait, ça permet le plus de moun possible mourir. Chaque minute qui passait, il permet plus moun mourir dans grand goût. Parce que jodia, et toute zone, et tout pays a coupé du reste, et Port-au-Prince est coupé du reste du pays, et moun pa ka circuler facilement pour aller d'un coin à l'autre. Donc ça, son ek dim, ou il vient en tête l'État, ou pa ka comprendre, et un pays qui servi avec lui, ou fait tout ce qu'on pour faire avec elle, mais en retour, faut pas penser à tête tout seulement, faut croire que gain un ensemble de citoyens, bon paquet malheureux malheureuses, qui vivent dans des situations exécrables, gain monde qui leve la caillou monsieur, pas qu'à manger non, je ne j'ai dit un plat manger dans le pays d'Haïti son luxe que lié, oui. Okay. Alors pendant ce temps, gon équipe monde qui en tête pays a fait chelbe soumise à peuple là. Non, nous pas qu'à faire ça. C'est inacceptable. Eh bien, je pense à ce carrefour de l'histoire. Il faut un sursaut national pour sauver ce pays. Et c'est dans le cadre de ça, Mopal invite tout acteur, quel que soit côté lié, quel que soit croyance, quel que soit
idéologie yo, pour comprendre la PAC nationale est en danger, il faut que nous mettions la main pour sauver le pays. Député Saint-Cyr, CPA que nous parlons de là, ou montrer que les mérités pour consensus continuer dans l'élargissement. Bon, dès le début, nous avons remarqué une exclusion qui fait là-dedans. Parce que il fait mention de monde de ensemble de monde qui pas doué là-dedans et des impositions qui fait surtout avec ça qui pour avec des déploiements force multinationales qui t'a dû venir dans pays ou même comme acteur politique sans doute qui des positions nationalistes qui côté trouver ou marcher avec ensemble de impositions que CARICOM bah avec acteur qui a participé dans CPA. Bon, je pense que à ce niveau-là, et les acteurs, et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle de la démarche. Et je pensais pour moi-même, pour ma part, et ça ne devrait pas se faire, hein, pour imposer une structure, pour dire que au départ il faut qu'il accepte la force multinationale entrée dans le pays pour participer dans la question ça. Alors que pertinemment nous connaissons que il y a des monde qui croient que police nationale là, l'armée d'Haïti capable de résoudre le problème ça, moyennant il y a les matériels nécessaires et c'est ça que fait et Mopal était toujours mandé une assistance et technique et de matériel et des matériels nécessaires pendant que au niveau de la police nationale qu'on vetting est très sérieux qui fait parce que nous connaissons que en dans police ça il y a de mauvais et citoyens qui amusent à faire relais avec des gangs armés. Donc nous croyons que et la police nationale si le gars les moyens nécessaires dans même il est capable de faire travail ça accompagné de l'armée d'Haïti. Mais pour ce faire, il faut avoir au pouvoir des gens qui ont une volonté politique pour résoudre crise là. Sous gain de monde qui a collaboré avec Banzaméo, crise a pas bien résoudre. Sous gain de monde qui a utilisé yo de temps en temps à leur profit qui yo pas jamais prend les décisions qu'il fallait pour résoudre la crise, pour permettre à la police de gagner les moyens nécessaires pour les combattre et pas oublier. Et à un certain moment donné, la police nationale, dès qu'on a fait des opérations, quand on prend le principe, il y a deux personnes qui relèvent qui disent retourner. Non, mais ça veut dire que dans plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui croient que ils ont servi avec insécurité comme mode de gouvernance pour pérenniser tête au pouvoir. Et moi-même, moi crois Dieu comme le faire. Et automatiquement, un changement de gouvernance qui venait avec de citoyens, de patriotes qui croient et pays a pas arrêté comme ça. Donc, il a créé les conditions nécessaires pour bail police nationale là, moyen, bail force armée à moyen pour combattre gang dans le pays. Voilà de quoi il s'agit. Bail policier moyen pour combattre gang et zam toujours gagner facilité pour rentrer dans le pays. Ou pas remarqué, bail moyen sans pas une disposition qui prend vers les États-Unis d'Amérique à l'État Floride, parce que Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout groupe expert, il a déclaré que la majorité des amis sont aux États-Unis, en passant soit Colombie, Jamaïque, pour arriver en République dominicaine, pour venir atterrir en Haïti. Ce n'est pas une disposition qui prend dans la zone ça. Vous pensez que la police, c'est pas pour bah, au moins, c'est la VMC à terre? Là, je parle de la bah, police à moyen pour faire travail. Je parle pour que la police ait une possibilité pour que. Et de contrôler la frontière, principal point qui est au niveau de la frontière
haïtiano-dominicaine. Mm-hmm. Je parle de possibilités pour au niveau des douanes pour que y ait un scanner qui permette que les matériels ça va passer pour que y détecte. Moi parle de possibilités pour bagat côte moyen pour le patrouiller au niveau et la mer. C'est ensemble de bagages ça nous parler. Nous pas parler dans cadre extrême et Blaise. Mm-hmm. Donc là on parle de moyens, c'est moyens qui non seulement pour affronter les gangs armés, mais c'est moyen tout pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays, à tout, que ce soit au niveau de la frontière, que ce soit au niveau de la mer, mais mm-hmm. au niveau des douanes aussi. Donc ça, c'est un gouvernement qui a une volonté seulement qu'a fait travailler ça. Très bien. OK. Conseil présidentiel n'est pas constitutionnel. Et si nous avons gardé balance sur ça, nous avons baptisé comme légitimité populaire, il n'est pas reflété réalité. Il y a plusieurs autres tendances qui dégagent dans la rue. Soit c'est réveil là, dans la déclaration 7 mars, qui était au conseil présidentiel, il dit qui plus ou moins large reflète avec la réalité, parce que là, on fait mention des 3000 organisations. Et plus que 100 sites politiques qui signent et pétitions qui ont été gagnées, et gagnées de l'autre acte tout, qui gardent cours de cassation. Et en cas où, proposition de CARICOM avec acte haïtien, qui n'a pas marché, et sous ta François qui côté au poste, ta carré. Bon, je dis, bah, pas y a aucune solution, il y a là, dans la crise, dans la gens liés là, que la constitutionnelle. Mm-hmm. Parce que, et les institutions pérennes de la République qui ont une responsabilité, ça n'a pas existé pour le moment. Donc, cela veut dire, et pour résoudre la crise, là, c'est consensus quand même pour faire. Pas oublier. Au niveau du CP, je pense que j'ai fort de mise en commun qui fait des acteurs.